Banderoles, slogans et revendications, un vrai rituel pour les antinucléaires à chaque réunion de la CLIS. Pas bien nombreux, mais toujours aussi remontés contre la centrale de Fessenheim, qui a cumulé les incidents ces derniers mois. Preuve, selon eux, que l'installation a vécu. Ça nous confirme ce que nous affirmons depuis un certain temps, vétusté, même si on ne veut pas l'entendre, certainement erreur humaine, et surtout, incident en cascade. À l'ordre du jour de la commission information et surveillance, les incidents du 28 février et du 5 mars, des fuites de tuyauterie en salle des machines. Aucun impact sur la sécurité du site selon l'autorité de sûreté nucléaire, qui épingle quand même EDF pour n'avoir pas su empêcher l'incident de se répéter. L'ASN reste malgré tout le meilleur allié des salariés de la centrale, puisqu'elle ne pointe globalement aucun problème de sûreté. Tant que la centrale est déclarée sûre par l'autorité de sûreté, quelle dure. Des salariés mobilisés et toujours plongés dans l'incertitude. Rien n'est encore acté concernant la fermeture de la centrale, mais le gouvernement réaffirme régulièrement son engagement, suivi depuis peu par le nouveau patron d'EDF. Ça nous donne d'autant plus de courage et de volonté de défendre notre site. Et tant qu'il n'y aura aucun argument objectif pour la fermer, eh bien nous la défendrons. Et je peux vous dire que toute expression contraire ne fait que, au contraire, nous remobiliser pour continuer à nous défendre. EDF conditionne la fermeture de la centrale à la mise en service de l'EPR de Flamanville. Les salariés espèrent que d'ici là, une éventuelle alternance politique aura changé la donne.